C'est le bâtiment, je l'explique d'une manière très simple, c'est l'art d'écrire et de dessiner dans le tissu. Et ça se réalise, c'est un art qui est franchement de nos aïeux. Parce que déjà, en Égypte, ça fait plus de 4000 ans, déjà ils faisaient de la teinture. Il y avait déjà des colorants qui nous permettaient de faire les étoffes, les tissus de pharaons. Mais aujourd'hui, c'est si modernisé qu'on peut faire le batik en dessinant. Avant, c'était juste la coloration du textile. Mais aujourd'hui, on fait des dessins, on écrit dans le tissu. Et c'est cette pratique que nous améliorons aujourd'hui. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Et je fais des batiks, je fais des nappes de table, des robes de chambre, des peignoirs, des robes de chambre et des pareillots. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut faire en accessoires vestimentaires, je réalise en batik. Donc aujourd'hui, j'ai fait des ateliers, je fais des ateliers à quiconque le veut. Et ça permet de découvrir, de réaliser quelque chose, de concevoir un tissu soi-même, à son goût, et de choisir la couleur. Ce n'est pas moi qui vous existe la couleur, mais vous choisissez votre couleur, et moi je vous prépare cette couleur, vous l'aurez, vous rentrez en même temps avec vous. Les teintures sont faites à base de quoi? Les teintures sont faites à base de pigments. C'est des pigments, mais on ne les a pas ici. Et c'est des tissus, des teintures à grand teint. D'accord. Il y a la seule chose qui est dedans, parce qu'il faut un catalyseur qui est la soude caustique. Il n'y a pas la soude caustique, le reste, ce n'est pas. C'est comme dans le savon, il y a la soude caustique dans le savon, c'est un catalyseur. Vous avez oublié de vous présenter votre nom. Monsieur Sabourin Raphaël. Voilà. Je m'appelle Sabourin. Je fais l'atelier chez moi. J'ai mon atelier là, avec mes motifs spéciaux que j'ai réalisés même. Ce n'est pas des motifs que je recommande. Donc, je suis les motifs moi-même, je les réalise. Et j'ai mes gouges de sculpture. Et c'est comme ça que je réalise mon batik. Après, on utilise aussi le chanting si on veut. Les Indonésiens utilisent le chanting pour faire le batik. Le chanting, c'est un réservoir acide qui permet d'écrire et de dessiner sur le tout. Mais moi, j'ai des tampons que je sculpte et qui me permet de réserver les dessins sur le tissu et de teindre. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est de l'iam pilé. Ça permet de faire de l'iam pilé. On met l'iam pilé, on met l'iam, et on pile avec les ventiers. C'est comme ça. C'est ce que j'ai fait. On doit avoir une certaine température. Ça ne se fait pas à chaud. Quand vous le faites très chaud, c'est que on n'aura plus le blanc qui va apparaître. Le pourquoi que nous utilisons la paraffine, c'est pour maintenir, c'est pour dessiner le dessin, c'est pour faire le dessin dans le tissu. Et que là où la boue de la paraffine serait, comme ça, regardez, vous allez voir, je remets entièrement ce coup là, que je pose carrément avec dextérité. Oh, il n'y a pas longtemps du tout. Je veux ce motif, je ne l'ai pas vu. Il est beau. C'est celui que tu m'as décrit. Il est beau celui-là, c'est un tam-tam. Non, c'est pas un tam-tam. C'est le truc que tu m'as décrit. Ah, Agung. Ah, Agung. Ah, le mortier. C'est vraiment joli. Merci. Il y a trois personnes. Là, quand ils le font en or, c'est coulé. Non, mais c'est pas un peu. C'est hein. Pas un peu. Vous brûlez de manière horizontalement comme ça. Non. Allez, vous brûlez. Très bien. C'est tout. C'est tout. Le mien, le vôtre. Je voulais assister quand même. Il y a la cire, la tête, pastel. C'est la musique que nous travaillons. Donc, on imbibe le motif dans la cire à une température donnée. Le motif est sur cette température équilibrée, je vous en annoncerai tout à l'heure. Et vous allez déjà, à l'instant que vous parlez, vous pouvez déjà commencer par choisir le motif que vous voulez. Ça peut tomber, il n'y a pas de passer du bois. D'accord. C'est en bois, c'est fait en bois, donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas mal de musique. Le seul qui est beau, c'est le sien. Tu dis quoi? Là, ça te permet de te corriger maintenant. Tu filmes ou non? Tu sais pas comment? Je filme. Ah non, mais ça, c'est vrai quand même. Oh, c'est trop mignon. C'est tout? C'est tout. C'est déjà bien en parole, non? T'as mis du orange, du rouge et du marron. C'est pas du marron, c'est un peu de France. Oui, ça peut te permettre d'avoir tout ce que tu veux.
comment? Vas-y. Oui, on le connaît. Oui. Non. Mais écoute, je vais le faire, c'est possible, c'est pour toi quand même. Oh là, on va. Écoute là, écoute, tu vois là. C'est tout. Allez, c'est fini, hein. Ça c'est fini. Regarde, t'as vu? Ça c'est quelle couleur ça? C'est du vert, hein. Ça c'est vert ça? J'avais demandé corail. Moi je veux le. Il a oublié? Ah mince. Il blague. Il est joli, hein. Quand c'est terminé, tout ça. Waouh. Ça donne. C'est archi beau. Je sais pas. Ah ouais, là ça donne. Ça donne quoi? Ça donne. Ça donne quoi? Ça donne. Là ça donne. Tu as vu, non? Oh. Bon, ça sera orange, hein. Mon pain, il y a ce pain. Il a le poulet, il a cuit le poulet. Ah, il est là en deux minutes, là.